on ne sait pas, hein, il n'y a pas d'autrie, hein, c'est le meilleur qui gagne. Oui, c'est-à-dire on a 4 nouveaux secteurs. On a un au niveau de Pouledern, qui s'appelle la Tranchée, qui est magnifique, qui fait 1200 mètres. Il y en a un au niveau du Pont du Diable, qui est très court, il fait 400 mètres. On a fait également à Carangal, exactement, c'est près de chez moi, tout à fait 800 mètres au niveau de la Nilis. Et celui de, actuellement où on est, celui du Harwurch, à Landéda, qui longe les dunes de Sainte-Marguerite. Alors on fera un site d'arrivée à huis clos, avec des tests PCR pour les gens qui veulent rentrer. Ça va, c'est en gros une zone qui doit faire 300 mètres de long à peu près, sur 100 mètres de large. Donc c'est vrai, c'est la première fois que ça nous arrive de faire une course en public, du moins sur le secteur de la Nilis, qui d'habitude était bien chargé de spectateurs. Cette année, on est au mois de mai, ça peut-être joue un peu parce qu'on a moins de concurrence avec les courses flandriennes ou flamandes, ou là-haut les ardennaises. Donc on se retrouve avec un beau plateau, des équipes comme Lotto avec Gilbert et Decalcon, on a également l'équipe Alpecine, Education First, il y a Sea World Tour au départ, il y a un très beau plateau, même un breton qui peut gagner, qui s'appelle Berguil. Là, c'est un peu, on ne sait pas, hein, il n'y a pas d'autrie, hein, c'est le meilleur qui gagne.